Préval-Eau-Douce, c'est un syndicat de traitement et de valorisation des déchets. 125 communes qui adhèrent à Préval, ça représente un cinquième de la population, mais deux tiers du territoire. Votre déchet, vous le mettez dans la poubelle jaune. Après, il est collecté par votre camion, par la communauté de communes. Il transite donc par le centre de tri. Il y a une quinzaine de valoristes qui vont trier vos déchets à la main. Après, ils forment des balles par type de déchets. On essaye à chaque fois que les déchets repartent dans les filières assez proches. On accueille des classes, des écoles, des visites aussi pour les adultes tout au long de l'année. Il y a environ 3-4 visites par semaine. On a un centre de tri qui est très bien aménagé pour ça. On a aussi une très belle salle pédagogique. On est quand même sur un site industriel, on a des normes de sécurité. On a des visites portes ouvertes. Les personnes peuvent s'inscrire. Il suffit de se renseigner directement en venant ici ou sur Internet. Et ils se disent tout le temps à la fin, c'est quand même impressionnant, il faudrait que tout le monde puisse voir ça, parce que voir des personnes trier à la main ces déchets, ça vous laisse pas indifférent. Donc le but de ces visites, c'est de sensibiliser au maximum aux bons gestes de tri. On retrouve énormément de plastique qui ne se recycle pas dans les poubelles jaunes. Le seul plastique qui se recycle, c'est les bouteilles et les flacons. Et ça, c'est une erreur qu'on trouve beaucoup dans les poubelles jaunes. On travaille en amont avec les hébergeurs, on leur donne les outils, on leur donne aussi un petit peu les arguments pour pouvoir expliquer aussi aux touristes leur débat pourquoi il faut mettre ça dans la poubelle jaune et pourquoi il ne faut pas la mettre. Il y aura aussi des animations cet été sur les sites les plus touristiques sur la région. Trier, c'est bien, le faire correctement, c'est encore mieux.